crêpes au caramel au beurre salé, et puis ben là dernièrement la galette tartiflette jusqu'au mois de mars. Oui, un petit peu plus, ça commence à venir, on commence à voir que les gens voient qu'ils sont dans l'esprit de Noël. Donc, la crise, on l'a senti un peu plus l'année dernière. Bon là, cette année, le mois de novembre a été un peu plus calme, mais là c'est reparti, c'est bon. Il y a 15 jours, c'était les manteaux, parce qu'il a fait super froid et on n'a pas arrêté d'en vendre. C'est quasiment que de l'accessoire, que ça, parce qu'après, c'est pyjama, gants, ceinture. C'est typiquement Noël, en fait. Mais c'est typiquement à Noël, ils le font jamais autrement. On a des écharpes vendues comme ça, tout seul, mais arrivé à la période de Noël, ils y proposent directement en coffret. Non, nous ici, non. Et en plus, on n'a pas participé à la quinzaine commerciale, donc on n'est pas du tout dedans, quoi. Alors, il y a des produits saisonniers liés notamment au froid de l'hiver. Donc, l'Abeille Habitat vend des granulés pour poêle à granulés et des bûchettes compressées pour les poêles à bois et les cheminées. Après, les gens profitent aussi de l'hiver pour refaire leur intérieur. Donc, ils font tout ce qui est peinture, enduit. Enfin, ils réfléchissent à leur intérieur plus que quand c'est la période printemps-été où ils font les extérieurs. Alors, les offres de Noël, non, pas plus que dans l'année. Il y a des choses un peu plus particulières mises en avant, comme les chèques cadeaux formation. Et puis, je vous dis, tout ce qui est les granulés qui sont mis en avant, mais ne sont pas forcément... on va dire promo Noël, c'est juste mis en avant.